Bonjour, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui, unboxing de la box littéraire 1001 livres du mois de décembre sur le thème de Noël. Allez, c'est parti. C'est parti. Hop, voilà, voilà. Alors, je vais vous montrer en avant-première. Donc, il y a le petit fascicule qui explique un peu les différents livres, etc. Ah nous, on va peut-être vous montrer si vous voulez. Ah bon, bon peut-être à la fin plutôt. Bon. Bon, on va vous montrer à la fin, parce que ça spoil un peu le contenu. Alors, on a quoi? On a des petits machins comme ça, là. Plein de petits bidules. Ils sont assez pénibles après à ranger. Mais si vous avez des furets, ça peut permettre des bonnes parties de rigolade. Ah ouais, pour les furets, en faisant gaffe qu'ils avalent pas. Oui. Alors, qui ouvre quel bah, je vais commencer. Ah, donc du coup, nous avons... Je sors du sachet. Une paire de chaussettes. Une paire de chaussettes. Fuck off, I'm waiting. Donc, allez vous faire bip. Je suis en train de lire. De la marque Blue and Socks. Blue Socks. Blue Socks. Je sais pas, il y a un truc. Comme ça. Ah, Blue Q Socks. Bon, je sais pas, c'est un petit peu bizarre. Attends. Avec différents dessins. Donc là, on peut voir un petit chat. Attends, par contre, c'est qui sort du cadre. Ah. Alors, on a un petit chat. Et on a la phrase très sympathique. Avec le petit personnage. La petite madame qui est en train de lire. Du coup, c'est une chaussette de taille pour femme. Hein. Donc oui, pour Camille, du coup. Et de ah la... bon, c'est pas toi la femme. Merci. De la taille 5-10. Mais c'est plus en fait des tailles anglaises. C'est taille anglaise, ça c'est taille anglaise. Ça doit correspondre, on va dire, à un 34-35 jusqu'à un 38. Moi, c'est à ma taille, mais ils t'ont demandé ou pas la taille? Non, non, moi je fais du 40, mais... Puis ils auraient pu demander aux femmes aussi. Je sais plus combien que ça fait 40 pour hommes, ouais, c'est vrai. 40 pour hommes, je crois que c'est du 9 ou 10. Ouais, on voit même, je sais plus, ça fait longtemps, j'ai pas habité là-bas. Alors, on a une Likes for Fun. Voilà. C'est avec des formes de fleurs, donc... Sunflower, donc c'est des tournesols. Il y a 20 LED, donc c'est des petites bougies. Alors, hop là, il n'y a pas de pile. On a des piles? Non, on n'a pas de pile. Bon, on trouvera ça quelque part. Si jamais en fin de vidéo vous nous voyez avec les guirlandes allumées, c'est qu'on a trouvé des piles. S'il n'y a pas de guirlande, c'est qu'on n'a pas de pile. Donc voilà, ouais, bon, après c'est des piles classiques, je pense des piles AA. Alors, on a quoi? On a les petites fleurs. Fleurs, merci enfin, Benjamin. Alors, je ne sais pas de quelle taille, enfin de quelle longueur. On va défaire, on va regarder. Ouais, vas-y. Parce que c'est 20 LED, ouais, mais après, ils disent pas... Par contre, c'est super sympa, je trouve. Bon, le sunflower, c'est pas trop la fleur, enfin, le tournesol, c'est pas vraiment une fleur de Noël, mais ça reste super sympathique pour décorer la maison. Sachant qu'en fait, la box 1001 livres, c'est une box qui est à la fois littéraire et très goodies. En fait, à chaque fois, il y a un seul livre, et le reste, c'est que des petits accessoires, des petits goodies et tout, comme... La guirlande. Alors, c'est une cacahuète, on va dire, à enlever. Hein. Ah, bah voilà, bah, je crois que c'est bon. Alors, ça a débloqué. Bon, voilà. On est sur quelle longueur? Je ne sais pas, mais ça va, c'est une bonne longueur. Et on est sur du 2 mètres, hein, je pense. On est sur du 2 mètres. Tu veux pas te lever, toi, qui fait 1m80? Bon, on ne verra pas, de toute façon, ça ne sera pas pareil. Mais bah, on est sur du... Mais la taille est quand même plutôt correcte. On n'est pas sur du 2 mètres, quand même. On est sur au moins du 1m50, je pense. Entre 1m50 et 2 mètres. Il y a de quoi faire, franchement. Ouais, c'est un... Il y a de quoi faire une jolie. C'est un bon accessoire, franchement, l'idée est bonne. Ah ouais, l'idée est sympa, on pourrait mettre derrière en plus dans le fond. Mais ce qui est bien, je trouve, c'est que bah, ça fait pas trop Noël, mais au moins c'est passe-partout. C'est vraiment quelque chose qu'on pourra utiliser tout le temps, en fait, en termes de décor. De décoration, qu'on pourra mettre ça derrière, comme disait Camille. Donc franchement, moi j'aime bien. Moi j'aime bien aussi, je trouve ça super sympa comme petit cadeau, c'est sympa. Par contre, il y a quelque chose dans la box. Ouais, si j'éternue, c'est normal, j'ai mon nez qui est en saturation. Ça sent fort, je trouve. Mais ça doit être ça. Donc c'est ça, je pense, ouais. Apporte-moi, c'est ça. Donc c'est un petit cœur, style bombe de bain loche. Bombe de bain loche, bah, je pense que c'est une bombe de bain parce que c'est. Il y a des petites paillettes, je sais pas si ça rend bien en fait. Bon après c'est rose, c'est... On dirait pouvoir de l'amour. Ouais, merci Sailor Moon. C'est Sailor Moon? Non mais je crois que c'est... Mais c'est genre Princesse Starlight, c'est les joyaux magiques. Ouais, ouais, mais... qui avait un cœur. Bon, j'espère que ça n'a pas la même odeur parce que c'est pas Disney. Bah ça sent le produit chimique. On va pas se le cacher, ça sent le produit chimique à gogo. Moi personnellement je pourrais pas vous dire, peut-être... Mais moi, pour moi c'est senteur coton, je crois que j'avais déjà... Ouais, c'est...
fleurs de coton, enfin il y a un truc comme ça. Ah, mais non, tu dis quand il y a des bijoux, enfin bijoux, non, mais des bougies, il me semble que ça rappelle ça, mais ça peut parler à quelqu'un. Bon, bah, ça ture le nez. C'est vraiment dur à savoir, à reconnaître l'odeur. Mais c'est plutôt pas mal. Ouais, on passe à sucre. Moi, il m'a fait de l'œil quand je l'ai vu là. On avait une petite canne à sucre rose. Alors, je sais pas si on va l'avoir correctement. Bon, après, c'est une canne à sucre. Moi, c'est une canne à sucre rose. Ah, tout le monde connaît ça, c'est vraiment. C'est à mâchouiller, tu vas se fondre, c'est génial. Par contre, je trouve que ça fait entre le petit cœur rose, la petite canne à sucre rose, c'est ultra garni déjà d'une. Quand t'es un homme et que t'achètes ça, bah. C'est quand même très très féminin. Et ensuite, je trouve que ça fait beaucoup plus Saint-Valentin que Noël. Je trouve les idées sympas, mais ça, Saint-Valentin, enfin, ne serait-ce que le petit cœur de bombe de bain, tu prends le bain d'eau en amoureux, c'est Saint-Valentin pour moi. C'est vrai. Ils auraient dû mettre une espèce de petite boule de Noël, tu vois, ou une canne à sucre pas rose, une canne. Bon, après, peut-être que c'est aléatoire. Bah, la canne à sucre, c'est quand même assez Noël. Bah, non, souvent c'est blanc avec du rouge. Ah, d'accord, je... Attends. Bon, après, ce que j'ai, bah, c'est un petit marque-page hein, qui représente, ouais, voilà, promotionnel, hein, c'est bon, bah, il y a un livre. Bon. On passe à ta. Ensuite, on a rejoint le côté obscur, on a des livres et des cookies. C'est pour mettre sur la porte. Et qu'est-ce que j'ai pas le temps de lire ? Lecture en cours, ne pas déranger. C'est sympa pour mettre sur une porte de chambre ou sa porte d'entrée. C'est sympa. Ouais. Donc là, on a. Oh là. On a des bêtises. Il y a toujours tout ça qui d'autres part. D'autres jouets pour furer. Voilà. Donc le calendrier 2018. Voilà. De l'autre côté, c'est blanc. Hein, bon. Présenté par Mille et un livre et Suzanne Dwaus. C'est écrit en fait. Ici. Donc comment c'est à l'intérieur ? Ah, bah, il y a des petites illustrations. Par exemple, pour janvier, on a une petite dame. Là, une dame avec un chat. Parce qu'on a une écolière avec des couettes, avec tout un tas de livres autour du fauteuil. Et encore un autre, mois d'août, plus des contracts. Bon, on va pas faire tous les mois. Voilà. Mais non, mais c'est pour donner une idée de voir toutes les différentes illustrations. Enfin, c'est bien. Voilà. Ah, bah, on les voit toutes ici. Ok. On a même Hermione. Ah, mais ouais, il y a son gros chat, il y a Alice. Ah, j'avais pas tilté. Il y a Belle. D'accord. Moi, je sais pas qui c'est Shizu. Mm. Donc, voilà. Toutes les illustrations les personnages, en fait. Sont ici. Mm. Je vais pas tilté. Pour moi, c'était pas parlant. Non, non plus, j'étais en train de fêter. En fait, je suis tombée alors, sur la dernière page. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Jeux de Noël, challenge des premières places. Bon. De nos jours, plus personne ne porte de robe blanche à son mariage. Je n'avais juste. De me résigner à vivre une vie ordinaire quand les événements extraordinaires se sont produits. Donc chaque numéro correspond à la première phrase d'un Robin Young adulte ayant connu le succès. Sauras-tu identifier ces 8 titres ? Rends-toi à l'adresse suivante et remplis le formulaire. Donc c'est un petit jeu de Noël. Si vous voulez participer, il n'y a pas de souci. On va pas s'attarder encore là-dessus. Alors. Et donc, encore un... Magic Mirror Edition. Passez de l'autre côté du miroir, redécouvrez vos comptes préférés à travers... nos trois collections Bad Wolf, Enchanted, Forgotten. Vas-y. J'aurais dû mettre mes lunettes, il y a trop à lire. Descends un petit peu parce qu'on verra pas trop. C'est bon ? Voilà, ouais, c'est bon. Très bien. Et alors, sinon, bah, on a... ouais, il ne reste plus que les livres. Alors, donc, dans ce qui est super avec Mineral Livre, c'est que les livres sont toujours en bas sur du plastique. Mmh, comme du ça. Coup, s'il y a un souci avec le facteur, avec les intempéries, machin, le livre il est intact. C'est déjà pas mal. Donc en fait, ce mois-ci, je rappelle un petit peu, on pouvait choisir entre 4 livres et c'était quelque chose de spécial pour Noël. Donc moi, j'ai pris Ronce Blanche et Rose Rouge, qui est en fait une réadaptation des contes du frère Grimm. Alors, orpheline d'un passé dont elles n'ont aucun souvenir, Sirona et sa jeune sœur Eloane sont aussi différentes qu'inséparables. Quand leur tutrice, Iphégénie Whitecombe, fiance l'aînée à un inconnu, leur avenir sombre dans l'incertitude. Pour échapper au mariage qui l'effraie et à la colère dévastatrice de Madame Whitecombe, Sirona prend la fuite. Au cœur d'une forêt obscure et de sa propre tourmente, elle se fait toutefois une promesse, celle de revenir chercher sa sœur. Quitte à affronter l'ours qui rôde dans son sillage, quitte à suivre les ronces blanches et les roses rouges, quitte à croire en la magie. Mais c'est sans compter sur l'énigmatique pianiste qui compose une toile de mélodie enivrante dans son château où la nuit est synonyme de toujours. Alors, hop là.
désir de vengeance, l'amour véritable comme l'attirance malsaine tisse les fils rouges et blancs qui se croisent et se nouent jusqu'à la fin de ce récit enchanteur inspiré par le conte des frères Grimm, Blanche-Neige et Rose-Rouge. Ça a l'air pas mal. Je crois que c'est la moitié la suite de Blanche-Neige où elle est justement une sœur, quelque chose comme ça. Possible, je pourrais pas trop m'avancer dessus. N'empêche, le livre il coûte quand même 18 euros. Et la box, tu l'as payé combien déjà? Je sais plus parce qu'en fait, moi j'en ai pris deux et j'en ai pris un en plus pour ajouter. Donc il faisait partie aussi des 4 livres où on pouvait choisir. Et du coup là, on est sur l'édition Black Mirror justement par rapport au marque-page. Je me suis fait agresser par un petit machin marron. Donc le deuxième livre, c'était un livre d'Emily Barr, Flora Banks. Donc un souvenir, c'est tout ce qu'il me reste. Putain. Alors, 10, l'âge que j'avais quand mon cerveau s'est détraqué. 8, année de validité de mon passeport. 6, le nombre de personnes qui me cherchent au Spitzberg dans l'Arctique. Ah, c'est là où t'as été nager. Enfin, on fait du kayak avec les baleines. 4. Âge auquel j'ai rencontré ma meilleure amie, je ne dois plus jamais l'appeler ni lui envoyer de SMS. 2. Deux cailloux noirs, l'un m'appartient, l'autre est à Drake, je le rejoindrai où qu'il soit. 1. Un souvenir, c'est tout ce qui me reste. Tout un programme. Mmh. Et celui-là, du coup, est à 16 euros. Du coup, rien qu'en contenu des livres, on est à 34 euros. Je crois que j'ai dû payer pour tout ça, en fait, une 50aine d'euros avec frais de port compris. De mémoire, peut-être je me trompe, mais je sais plus en fait le prix de la box, j'ai oublié de regarder. Mais alors, on a mal fait notre boulot. Mais en fait ça c'est plus le grand format parce qu'elle se décompose en deux formats, mais après le livre au choix, enfin, ou les livres au choix sont les mêmes. Donc voilà, bon, en tout cas pour moi c'était vraiment une box assez intéressante. Dommage qu'elle soit vraiment tournée pour la clientèle, oui, pour les femmes. Mais sinon, bah, comme bon, bah, on est en couple, hein, du coup... Ouais, mais je trouve que pour un homme célibataire, les livres, clairement, bon, c'est une box littéraire, donc ça tombe bien. La petite bougie, mais bon, actuellement, mais... La guirlande, pardon. Mais la petite chaussette, alors déjà... Bah, la chaussette, ouais, elle est vraiment faite pour... Mais même si, enfin, il y a des femmes qui ont des grands pieds, je veux dire... Moi, ils auraient pu demander la taille. Petite taille, hein, c'est... En gros, la box, elle est conçue pour moi. Hein. Concrètement, individu féminin de petite taille. C'est dommage. Ouais. Après, l'idée des goodies, c'était plutôt... Mais sinon, c'est sympa. Mmh. Les livres ont l'air chouettes. Moi, ils me tentent bien, là. Ronce blanche et rose rouge. Ouais. Celui-là était vraiment très très bien. Et puis les goodies sont sympas, mais vraiment... J'ai hâte de les lire, mon point. Trop féminin, je trouve... Parité homme-femme, faut penser aux hommes aussi, ou aux femmes qui ont des pieds. Après, je regardais un peu partout sur les box littéraires et tout était plutôt figé, focalisé sur une clientèle féminine en fait. Et c'est vrai que leurs clientes, enfin les clients en fait qui postaient des images de leur box et tout précédentes, enfin, c'était majoritairement des femmes tout de même. Donc c'est peut-être pour ça qu'elles tournent plus facilement. Oui, j'imagine. Peut-être quelque chose de plus neutre. Enfin, je sais pas, moi je suis bon, juste. Voilà. Ça me plaît, mais je trouve que pour un homme qui est seul ou. Peut-être un peu frustrant comme box pour celle-ci. Après, on en a d'autres, on va voir d'autres, et puis ça se trouve, c'est on juste là, comparer, c'est vraiment avec ces femmes. Voilà. Bon, bah, voilà, c'est bon. Tout pour nous. Bah, à bientôt du coup. Bye bye, à la prochaine vidéo. Salut!